Réunion mardi à Ouagadougou du comité de pilotage de la télévision numérique de TNT, rencontre présidée par le Premier ministre Paul Katieba. Elle a permis de faire le point du processus d'opérationnalisation de la TNT au Burkina. Des décisions ont été adoptées pour une mise en œuvre effective de la TNT d'ici à septembre 2017. Reportage Oscar Soulama, Vincent Tiendrebeogo, Dramandadia. Autour du chef du gouvernement, les parties prenantes de la télévision numérique de terre discutent de la mise en œuvre effective de ce projet qui devrait révolutionner les techniques de diffusion télévisuelle au Burkina. Il s'agit pour le comité de pilotage présidé par Paul Katieba d'évaluer l'état d'avancement du processus. Après le 17 juin 2015, on devait avoir la TNT. Donc 2 années après, nous ne l'avons pas. Je pense que ce qui est important, c'est que nous avons entamé le processus. Nous avions promis donc que pour fin septembre, nous ayons les premiers essais sur Ouagadougou. Malheureusement, le décaissement des fonds a pris un peu plus de temps que prévu. Les fonds sont opérationnels depuis le mois de juillet. Les travaux ont commencé, effectivement, les installations sont en train de se faire. Donc nous avons malheureusement constaté un retard de 2 mois par rapport au décaissement. Donc, ce qui veut dire qu'en fin d'année 2016, plus tard début juin, donc les premiers centres de Bobo, de Gawa, de Waiguya, devrait commencer à fonctionner en termes d'essais. Ce qui est certain, c'est que fin septembre 2017, tout le processus doit être achevé sur l'entièreté du territoire national. Selon le ministre de la Communication, la télévision numérique de terre pourrait être effective à partir de septembre 2017. Pour ce faire, un comité technique sera mis en place dès janvier pour définir les prix des prestations de la société burkinabé de télédiffusion. Prix à appliquer aux éditeurs de services de télévision publique